ce que la radio est arrêté. Je dis que mon capable dit non que radio télésolidarité réellement chanceux pour gagner deux mapou avec nous. Gagner une mapou yo, il passe des présentations dans radio et dans radio A et dans radio télé. L'autre là que sorti Haïti, mon capable dit non et avec mapou ça que Haïti pas capable mourir. Malgré difficulté ne va bien, des fois c'est à travers difficulté yo. C'est là que nous allons joindre des solutions durables. Et que non, ma poussa, que nous avons commencé aujourd'hui, à le Seigneur tout honneur, c'est Dr. Suzy Castor, historienne de formation, et bon, nous avons dit un gros militante, et qu'un monde vraiment vrai qui font pas paquet d'études, qui est un doctorat pour être en histoire, et en histoire, l'infini tout, nous n'avons pas capable de dire un monde pour le docteur. Docteur Pierre et Pierre Paul Charles, voit que bon pour travailler avec bon, tout le monde connaît que Philippe et Pierre Paul Charles défend Gérard Pierre Charles défend Haïti. C'est madame qui nous gagne aujourd'hui, mais que nous connaît que derrière tout gros garçon ça va être tout photo confie et madame et Suzy Castor tout le monde connaît tout travail que l'a fait. Après ça que nous gagnons avec nous bon qui passe les présentations. Docteur Jean-Yves Saint-Paul, sociologue de formation, que c'est grâce à lui-même qui fait que nous gagnons. Et Docteur Castor avec nous tous, dans le studio, que pour visiter ça, lève que pour émission ça. Et nous connaissons que Jean, Docteur Saint-Paul, c'est vraiment un passionné de l'éducation. Nous avons dit que c'est parmi les grands ambassadeurs que nous gagnons dans la communauté. Mais avant que nous commencions, nous avons commencé tout d'abord par saluer et Docteur Castor. Bonjour Docteur Castor. Et sur et bon à la radio de charité bon que nous sommes très très contents que vous venez aujourd'hui. Merci. Oui. Bonjour docteur Saint-Paul. Donc bonjour frère Bito, bonjour tous téléspectateurs radio télé solidarité, bonjour professeur Castor, c'est un plaisir pour moi partager interview ça avec vous. Donc bienvenue dans la cour Brooklyn. Vous avez même dit dans la cour New York. C'est ça. Parce que réellement, ce n'est pas deux mondes que. Bon, c'est un film qui a parlé de visite, ça, ouais. Et que bon, dans la cour New York, ouais. Qui va que Dr. Castor, bon, qui j'en ai? Très bien. Mais avant tout, il faut me remercier pour l'invitation. Parce que c'est un grand honneur, un grand plaisir de participer à l'émission qui est très connue d'ailleurs et qui fait un très, très bon travail. Et il faut tout profiter pour me dire pour me saluer aussi Eddie Saint-Paul qui a réalisé un travail tout extraordinaire dans l'université de Cluny. Donc, ça fait tellement plaisir de voir les Haïtiens porter tellement haut le flambeau dans les champs les plus divers, hein, le drapeau haïtien, hein, notre drapeau. Donc, par conséquent, félicitez-nous et remerciez-nous pour tout le travail qu'on a fait pour le peuple. Bon, en tout cas, que nous sommes très fiers, bon, réellement, que comme je nous dis, que c'est de ma peau que nous gagnons, parce que vraiment, oui, docteur Saint-Paul, vraiment, on peut dire, c'est vraiment un travail infatigable. Sans monde que vraiment, que bon, tout ça que nous avons fait pour faire la communauté à bouger dans la bonne direction, que les deux points. Bon, en tout cas, que docteur Castor, que nous avons commencé, bon, est-ce qu'on peut parler. Et nous, un peu de formation, éducation, etc., un pays que vous passez, jusqu'à ce que, bon, vous venez retourner à Haïti, et que, bon, la vie qui sort en Haïti, je ne dis pas. Bon, et bien, je vais très très rapide, parce que, bon, c'est une Haïtienne, natif natal d'Haïti, et par conséquent, je fais toute étude en Haïti, et contrairement à Kounia, je ne suis pas habitué aller à l'étranger depuis l'heure où j'ai gagné pour étudier et à l'université. J'ai fait université moi à en Haïti et c'est l'école normale supérieure qui vend moi ma formation de base. J'ai toujours réclamé de ça. Et ensuite, je suis allé au Mexico et c'est au Mexico que j'ai réalisé des études post-universitaires de la maîtrise, de doctorat et ensuite toute ma vie professionnelle. Que c'est là que j'ai été comme professeur et à temps complet, donc je suis allé aux trois niveaux de maîtrise, de licence, maîtrise et doctorat.
Et c'est là que mon capable de me faire réaliser toute vie moi, ma vie de femme, je l'ai réalisé à Mexico, ma vie de professionnelle, ma vie de mère, etc. Si je comprends bien, c'est là que tu as rencontré Jean-Pierre Chardon. Non, moi, quoi que Jean-Pierre Chardon, en Haïti. non, t'es fiancé en Haïti, donc, mais je parti avant lui, donc il vient jouer moi. Il vient jouer moi. Qui veut que tout, et pas que dans la radio, tu veux dire que tu sais que vous parlez. Bon, en tout cas, que nous allons passer avec Dr. Saint-Paul. Bon, Dr. Saint-Paul, bon, je connais que. Vraiment, depuis et quelques mois, tu as parlé pour te faire, bon, Dr. Castor Vini, ou bien professeur Castor Vini, que bon, pour date 18 novembre, là, et que chaque 18 novembre, que CUNY toujours organisé en bonne activité, mais c'est toujours ma pou, dans mon extraordinaire que vous faites venir. Mais est-ce qu'on va parler un peu de relation avec Dr. Castor, avec qui vraiment, qui raison que tu es motivé pour te faire venir que pour être là? Ok, bon, premièrement, je me dis pour tout téléspectateur de Radio Télésolidarité, je considère ça, professeur Suzy Castor, réalisé. Je dois dire, si vous voulez mettre ma pour me dire, son petit ma pour yon ma pour en gestation, en devenir, professeur Suzy Castor, son gros ma pour. Pour qui ça? Ce n'est pas une fausse humilité, c'est son vraie humilité. Premièrement, même j'ai avec professeur Castor, nous deux, nous avons une trajectoire qui est assez de capable de sembler. Professeur Castor, so dit, li son produit de l'Université d'Haïti, c'est là dans l'école normale, il fait licencié. Moi-même tout, moi son produit de l'Université d'Haïti, c'est la faculté de sciences humaines, moi décoché licence. Moi. Professeur Castor, après ça, il veut nous boost d'excellence, il n'a pas dit non, ça, il veut nous boost d'excellence. Là, en Mexique, côté de l'impossibilité pour aller en Europe, il choisit l'Amérique latine pour être pensée critique qui gagne. L'université latino-américaine. Moi-même, je vais nous boost d'excellence après études. Moi, mal fait une maîtrise en études latino-américaines en Colombie. Troisième bagage, professeur Castor, il a gagné une trajectoire et développement professionnel impressionnant au Mexique. Moi-même, je vais nous boost d'excellence, mal fait doctorat au Mexique. Côté, moi, fait une trajectoire. Un professionnel, académique ou intellectuel, tout ainsi impressionnant. Ça veut dire. Premier élément, on est capable de dire nous, en même fois, en Haïti, côté jeunesse, là, par manque d'orientation, et tout, je pense que le pays pour apprendre, c'est le pays Amérique du Nord, le pays Europe de l'Ouest, tandis que le pays latino-américain, c'est des pays que nous n'avons pas exploité assez. Et en même fois, les gens qui forment en Amérique latine, ils gagnent une formation qui. Puis bon sur le plan théorique et même sur le plan pratique. Ça, c'est le premier bagage nous avons dit. Deuxième bagage, pour qui ça, c'est Dr. Suzy Castor. Que deuxième bagage, pour me dire, qui fait un bagage, considère comme une mapou, même j'ai Dr. Suzy Castor. Je suis rentré dans l'université en 92. Ces générations, monde de Trump, professeur Suzy Castor, qui sorti en exil, généralement en Amérique latine, qui était professeur nous la science sociale la faculté des sciences humaines professeur Castor pas fait pour moi mais c'est mon génération le Michel Hector qui était exilé tout Arnold Antonin qui était fait cours histoire économique pour moi etc. Une équipe mon Lux Maton une équipe mon c'est même mon génération Suzio qui était passé en Amérique latine qui formé moi donc dans sens ça moi voulais à travers Suzy rendre hommage à tout ancien professeur mieux. Pour qui ça, après-midi, hein, jeudi à 18 novembre, nous avons commémoré le 216e anniversaire de la bataille Vetchea. Et c'est le professeur Suzy Castor qui a choisi comme directeur de l'Institut d'études haïtiennes pour venir à une grosse conférence magistrale que nous avons gagnée après-midi à 6h dans la Cour Brooklyn College. C'est parce que moi-même, moi, son monde, moi, rete quoi que. Et nous devons respecter les valeurs, nous devons valoriser les gros cadres que nous avons en Haïti. Et Haïti, son pays, nous avons mouru avant que nous battions hommage bien mérité. Et instituant lui-même, l'objectif, il dit que c'est pour nous célébrer toutes les valeurs que nous gagnons.
En 2017, première conférence que nous avons gagnée pour Bataille de Verchères, nous songez ça, c'est professeur Pierre Buteau qui était venu. C'est un garçon. En 2018, pour conférence virtuelle, c'est professeur Jean Casimir qui était venu, qui c'est un garçon. Et année ça, moi dit, m'a toujours prend un gros monde, un gros map pour en Haïti, mais cette fois-ci c'est femme la pire. Donc ça veut dire mon choix qui très gender orienté, ça veut dire qui oriente la question genre. Moi t'ai voulu pour 18 novembre ça, pour monde qui va parler de vêtements là pour pas un garçon, mais pour te une femme parce que dans pays nous, dans histoire nous toujours dit femme c'est potomita. Mais nous disons en théorie, mais dans la pratique, nous avons une certaine tendance pour nous reléguer femme dans le coin. Nous devons pousser une femme pour ça contribuer. Et c'est pour la première fois que nous avons une historienne. Parce que Suzy Castor, docteur Suzy Castor, c'est un docteur en histoire que lui. Donc c'est la raison ça, pour ça lui représente en termes de capital culturel, ça lui achevé. Par exemple, le professeur Suzy Castor a dit, il fait une trajectoire impressionnante au Mexique, mais le professeur Suzy Castor, c'est un homme qui a fondé une revue académique dans un département qui est l'étude caribéenne, qui est El Caribe Contemporáneo. N'importe qui a parlé, après, c'est la directrice fondatrice de revue scientifique. Ça. Donc, ça veut dire que le professeur Castor a quitté l'empreinte. Même Jean nous gagnait par exemple Benoît Joachim qui était empreinte au Mexique. Même Jean nous gagnait docteur Feu Gérard Pierre-Charles qui était empreinte au Mexique. Même Jean nous gagnait docteur Jean Casimir qui était empreinte au Mexique. Docteur Suzy Castor qui était empreinte dans le même niveau et peut-être dans des niveaux qui pivot que tout monsieur sur nos sociétés là. Voilà la raison qui fait c'est docteur Suzy Castor comme directeur instituant moi choisi pour venir par conférence magistrale après-midi en sur Bataille Verchères. Bon, en tout cas merci et docteur Saint-Paul. Bon, et docteur Castor, que qui vraiment raison parce que vous dites que bon premièrement on rend hommage à l'école et l'école normale quoi. Bon, que qui raison vraiment vrai après l'école normale ou jugez bon pour vous le faire. Un PhD ou bien un doctorat en histoire. Et peut-être qui ça tout, parce que Jean-Docteur Saint-Paul Santil, ou le choix entre l'Europe et l'Amérique latine, nous choisit pour aller au Mexique. Qui vraiment raison qui t'explique ce que c'est ça? Eh bien, la génération comme nous encore davantage que maintenant, hein? Nous avons vivre en Haïti, mais avec une méconnaissance totale de notre environnement géographique. Et ceci, et jusqu'à aujourd'hui, nous gagnons, bien que elle a avancé, mais à mon époque, c'était encore plus marqué. Et nous avons lu certains bagages sur le Mexique, j'avais vu l'évolution des peuples latino-américains, nous étions au courant de ce qui t'a passé. Donc, ça a été attiré pour dire comment nous là, que nous voulons ou pas, parce que au début, le nous fait paraître comme un pays indépendant, nous avons contact avec les pays latino-américains et nous avons gagné très très peu de contact après. Et c'est pour ça que moi dis, mon cher, pour en contact avec notre environnement. Au départ, c'est ce qui m'avait attiré et être en contact un peu avec cette histoire-là. De nos frères. Mais ça a été un séjour, on va dire fécond, parce que en Amérique latine, justement, vers les années 65, parce que mon passé en définitive 26 ans au Mexique. 26 ans, hein? 26 ans. Et dans les années 75, ça a été la grande époque terrible en Haïti, où il y a eu les dictatures, que ce soit au Chili, en Uruguay, au Brésil, etc. Donc, Vingé et Mexico, te vin transformé li, souvle, en terre de condensation de l'Amérique latine. Et, mon cher, ça a été vraiment important dans notre vécu, et parce que te gagné plusieurs Haïtiens qui étaient là, entre autres, on nous parlait de Jean Casimir, te gagné Gérard, te gagné d'autres professionnels qui étaient là. Eh bien, nous venons en contact
avec l'élite intellectuelle de tous ces pays. Et non seulement l'élite intellectuelle, mais l'élite intellectuelle militante hein, de ces pays-là, et qui t'a réfléchi sur leurs problèmes. Et tu as réfléchi encore, et Dr. Saint-Paul Sotis tout à l'heure, de façon critique. Et vraiment, ça a été une époque de très grande fécondation pour toute la pensée latino-américaine. Et qu'on avait ce privilège-là de voir et d'y participer. Et c'est ainsi que, dans ce sens-là, je suis capable de dire, ces jours au Mexique, eh bien, qui étaient empreintes. Et comme c'est un pays qui m'a accueilli pendant tout le temps, parce que je suis venu en exil après, hein, tout le temps de mon exil, je me suis senti comme si c'était le deuxième pays. Bon, que, si je comprends bien que et l'autre est fini d'étudier, tu es retourné en Haïti ou bien que c'est pendant. Non. Pendant mes études. Alors, naturellement, on fait rentrer dans des intimités. Hein? Et le fin d'étudier, je suis arrivé au Mexique. M'étudier une première année et à ce moment-là, Gérard Vierchal, qui était resté en Haïti, eh bien, commençait à gagner, il n'est pas capable de rester en Haïti encore. De gagner, et c'est dans les années 59, début 60. Hein? Donc, la police, etc., témoignait d'arrêté. Donc, Gérard était parti. Or, comme j'étais au Mexique, nous étions déjà fiancés, donc il venait. Donc, et moi-même à ce moment-là. Qui même me suit. et à ce moment-là, nous venons dans une situation que nous n'étions pas capables de retourner en Haïti encore à cause de nos activités. Donc, en définitive, ça a été l'exil. À tel point que papa mourit, je n'étais pas capable de retourner en Haïti. Bon, 26 ans au Mexique. Fin d'étudier et rencontrer Dr. Gérard et Pierre Charles sur vous au Mexique. Après études, qu'on y a là, et professeur d'université, au niveau de maîtrise et même au niveau du doctorat, d'après ça que vous racontez. Mais selon vous-même, qui est dans tout itinéraire ça, ou bien dans parcours ça, qui, des moments, est considéré comme des moments forts. N'a pas ça au Mexique. Bon. Et alors, moi, plutôt professionnel, pas pour être dans des moments forts personnels. Moment fort, c'est justement les études. Hein? Et le contact avec les professeurs, le contact avec les problèmes, le contact de la méthodologie, etc. C'est-à-dire vraiment, ouais, rentrer dans le mode qu'en Haïti, que nous ne connaissons pas du tout. Donc, ça a été un des moments forts à ce moment. Et il faut me dire que pour la maîtrise, j'avais justement presque rame que j'ai été spécialisée, c'était en études latino-américaines. Or, by Sayo, nous n'avons pas des années 60, hein, pas comme on des années 60, c'est ton bagage à peine qui t'apparaît. Et justement, ça a été, nous appartenons, parce que Girard aussi y a étudié, ça a été la première génération de spécialistes latino-américains, d'études latino-américaines qui formaient Mexico. Et à ce moment, nous avons gagné ce grand privilège d'avoir des professeurs de toute l'Amérique latine, des professeurs comme Vicente Sanz de Costa Rica, nous avons Martinez Ezequiel Estrada de l'Argentine, c'est-à-dire les vraiment des grands noms, des grands professeurs qui constituaient, si vous voulez, tout un réseau là au niveau d'études latino-américaines. Ce qui pour moi était une formation extraordinaire. Ça a été un autre moment fort. Mais c'est sûr que tu as des moments de nostalgie, non? Ce n'est pas des moments. C'était toujours la nostalgie. C'est-à-dire que, en définitive, j'étais au Mexique, je me suis bien intégré au Mexique, mais mon horizon est toujours Haïti. Toujours, toujours Haïti. Et parce que, en définitive, je suis capable de dire, sans fausse humilité, Haïti est ma raison de vivre.
Tu connais quand même le Madame Haïti. Non, pas accepter, parce que c'est un honneur, c'est un trop bien. Oui, mais quand même, qu'après 26 ans, ben, que et Dr. Castor, bon, là, que si tu as passé, ou pas passé, tu as passé dans l'université, bon, bien que nous, comme on donne à l'université, tu as passé, ouais, et que bon, même au niveau de doctorat, que bon, retourner, monsieur que retourner après 86, si je comprends bien, ouais, que pour tes contributions par où, non seulement comme haïtienne, ouais, et comme un monde qui remet un pays le dos, quoi. Si. Non, comme tu dis, que je retourne en Haïti, où est-ce que c'est pour moi, le 9 mars 86. En 86, c'est-à-dire immédiatement après la chute de la vie. Un mois après la chute. Si. Et en fait, il fallait être conséquent avec soi-même. Parce que toute ma militance était justement le combat de la dictature. Une fois la dictature partie, faut te mettre au service de la construction. Donc, par conséquent, c'est pas parce que je m'étais commodément installé au Mexico, comprendre très tranquillement, pour m'étais continuer à rester. Le Sam, c'est que ou t'as en discordance avec propre, ça va parler. Or, son bagage, je pensais qu'il n'y a pas bon pour un petit peu bagage et pour agir de l'autre façon. Donc, il faut que Jean Agia y aller en accord avec ça ou fait. Donc, par conséquent, ma place, et dans ce sens-là, Jean-Pierre Charles aussi l'avait considéré comme ça, notre place était en Haïti. Et non pas rentrer en Haïti avec l'intention d'essayer. Mon cher, on a pratiquement coupé les ponts pour venir s'installer en Haïti. Un mot, parce que comme on a parlé en pile avec diaspora là, ça ne veut pas signifier que c'est pareil pour tout le monde. Couper les ponts. Parce que la diaspora a son rôle, et un grand rôle à faire. Et de un grand apport tout pour le pays. Parce que c'est pas parce que ou rentre en Haïti que ou quand c'est qu'on fait tout devoir. Or, on grand travail, on grande communauté. 1 million, hein, on s'est fait sur cette team-là, d'Haïtiens, par exemple, après le cas des États-Unis, 1 million d'Haïtiens, c'est déjà, hein, c'est beaucoup plus que population de empile île de la Caraïbe là, hein? Et d'autre part il y a tellement de champs, tellement d'activités et c'est un privilège aussi de pouvoir être dans ce pays et de pouvoir servir Haïti. Donc par conséquent il peut y avoir un va-et-vient. Donc on a besoin de faire et l'acclaration ça que d'où on est on peut servir le pays. Oui, quelque chose à propos hier qui veut que le docteur Saint-Paul que bon pour dire que nous profiter de talk show ça ou bien de l'émission ça pour nous donc merci pour contribution au côté nous capable dire que dans plusieurs niveaux dans communauté pas noir dans niveau éducation l'avenir que bon mais la radio télé solidarité toujours malgré qu'on soit monté toujours occupé mais on toujours créé temps pour nous que nous apprécions ça mais que chaque année que pour 18 novembre gens que tout le monde connaît bon et que toujours changer pour activité pour bataille de vêtements là. Mais qu'est-ce que la bataille de vêtements là signifie pour vous et que je ne vous dis pas, ouais, parce que quand même, depuis 1806 que nous devons, et 1804 et 1803, nous avons dit que nous devons bataille ça, ouais, que côté que nous devons battre, puis que l'armée, vraiment que dans l'époque là, ouais. Mais qui importe cette bataille ça vient pour vous, lève que peut-être qui ça que vous voulez absolument que dans le collège, nous devons une activité chaque époque ça. Bon, réponse dans l'histoire, oui. C'est bon, nous avons un histoire, il y a un docteur en histoire, mais c'est un docteur en sociologie, même si je fais sociologie dans le recherche, je ne suis pas orienté par ça, je suis capable de la sociologie historique de la politique, mais vrai historienne, c'est le docteur Castor qui est capable de compléter ça, je dire. Mais réponse, moi, simple. Réponse, c'est que ces commémorations, ça, ouais, là-dedans, con avec un mémorare, se rappeler, se souvenir. Ça veut dire. C'est un exercice de mémoire. C'est réponse ça. C'est un exercice de mémoire. Nous pas capable d'oublier mémoire nous. Ouais, parce que un peuple sans mémoire, parce que mémoire nous c'est reflet nous. Mémoire nous c'est histoire nous la mémoire nous. Mémoire nous c'est archive nous, etc. Donc tant qu'en sociologie nous gagnons des gens qui spécialisent en sociologie de la mémoire.
D'ailleurs, moi bon livre que m'a écrit qui relève société civile et société civile et politique de la mémoire, essai historique de la politique. Son livre, je l'ai écrit n'importe 200 combien de pages là-dedans. Mais à cause obligation, moi, j'ai beaucoup fini. Mais justement, dans le livre, ça, moi, je travaille avec des recherches qui ont que sociologue là, ou pas qu'à oublier la question mémoire. Parce que nous disons, un peuple, une nation, c'est between remembering and forgotten. C'est entre. Ou créer peuple en li existe, nation li existe, gen bagay en mémoire ou faut oublier yo parce que gen bagay qui tellement trop traumatique en mémoire, mais la mémoire là gen bagay faut prendre yo en mémoire là parce que c'est à travers bagay ça pour ressoucher. Ou regarder porter alors l'autre jour c'était 6 novembre, moi j'étais allé en Fairfield University Connecticut dans une conférence qui était relé axiologie de la révolution haïtienne. C'est dit l'ordre d'axiologie, c'est la science des valeurs. Nous avons montré différentes valeurs qui gagnent, nous capables de puiser la bataille de Vertuel, ça a été symbolisé. Donc, mais étant donné, par exemple, Vertuel, la historiographie française, il a été toujours considéré comme une fiction, comme une mythe, comme une non-lieu, comme une utopie. Et moi-même, moi montré que Vertuel, c'est la plus grande utopie. Alors, utopie, c'est l'autre bagaille encore. Qui utopie, c'est l'autre du réalisable. C'est plus grande utopie historique qui fait, c'est capable de dire, dans la modernité. Donc, et m'a pas apprendre que, gain l'assemblée, il y aurait si rentré vertu à cause de, m'a capable de dire, demande de Daniel Affaire, il fait accepter dans l'Académie française pour inscrire vertu dans le dictionnaire. Mais vertu, pas de gens qui existent à aucun côté. Donc, c'est une façon pour moi finir. Exercice de mémoire là. Donc surtout dans le contexte côté en Haïti, n'a gardé nous gagnons un docteur Suzy Castro avec nous qui fait 26 ans en exil et nous avons côté dans le pays nous gien pile tentative de la réhabilitation de la mémoire du duvalierisme. Ça veut dire qu'on travaille sur la mémoire qui pas jamais fait ou bien qui fait de manière très déficiente de 1986 pour arriver jusqu'à aujourd'hui. Donc célébration, commémoration, vertu, ça lié engagé là, de capable dire dans combat intellectuel moins tout parce que moins compte de capable dire l'amnésie collective et l'amnésie historique voilà. Bon, qui veut que docteur Castor n'a retourné avec vous encore quoi. Et que vous venez pour qu'on pour activité ça après-midi. Bon, on capable dire que depuis 86 vous retournez en Haïti. Et puis, quand on retourne, que nous connaissons qu'on contribue dans une petite bataille. Ouais. Et que pendant que vous retournez, hein, que... mais est-ce que les nous avons des situations, je vous dis, que nous-mêmes qui sommes dans la diaspora, jusqu'à quel point nous allons continuer à espérer que vraiment un bon changement fait en Haïti. Parce que nous avons regardé par deux mondes qui vont en Haïti, ouais, que, et des mondes, bon, peut-être qui est en SD, que bon, pas grand pile avancement qui est fait. Que l'éclair, pas d'appui l'avancement qui fait, parce que c'est quand même un peu pour être 30 ans. Mais est-ce que vraiment que le monde diaspora va continuer à espérer vraiment avoir un vrai changement fait en Haïti et dans un avenir pas trop lointain? Moi, je dis le jour que nous pas espérer, hein? Le jour que nous pas avoir foi dans le futur, et bien le ça, c'est la défaite totale. Parce que le ça, ou pas gagner et. Ou pas aucune vue vers le futur, c'est-à-dire le futur pas appartenu. Or, ou on n'est pas capable de vivre sans futur. Donc, par conséquent, moi, je pense que jamais rien ne va arriver en Haïti, c'est une défaite. Mais ceci dit, c'est pas une vue idéaliste seulement. Hein? Parce que l'histoire montre qu'il y a des moments, des événements, des étapes qui prennent du temps. Donc, ce qui pour éclore, pour développer, pour mûrir, pour éclater, pour jouer une solution, etc. Donc, par conséquent, nous gagnons une situation qui est très difficile nous, pour le dénouer. Parce qu'à chaque fois, nous comprenons que chaque fois, nous disons, ah, ça n'a pas aller plus bas, et nous rendons compte que ceci empire. Mais il faut nous rendre compte tout
que situation à vivre, on n'a pas de 33 ans. Alors, les femmes font remarque pour dire que nous pas gagner. C'est pas vrai. Nous avons fait des progrès en 53. Premièrement, il y a certaines les libertés citoyennes. Mon cher, il y a 33, 35 ans, il n'y a pas existé. Or, qu'on y a justement, ou une menace qui gagne avec eux, tout le monde campé. Hein? Donc, ça, pour moi-même, c'est une grande avance qui fait, et que nous sous-estimons, parce que nous, comme nous avons joué, nous ne rendons compte de ce pas que ça représente par rapport à la dictature. Or, la transition s'est caractérisée par ça. Malgré des moments créés, mais on rend compte que n'est pas capable de fermer et type de liberté sérieuse que nous prenons. Et la deuxième chose, moi-même, je considère que c'est une avance. On y aura en Haïti, que ce soit à la campagne, que ce soit dans les bidonvilles, que ce soit dans les villes ou dans les provinces, où je vois chaque fois davantage de monde qui croit, qui croit que la situation ça a changé, n'est pas capable de continuer. C'est-à-dire qui questionnait. Ce que à un certain moment, c'était un petit groupe qui t'a questionné, qu'on y a où je vois des secteurs de plus en plus larges. Et dans tous les secteurs, mon cher, qui a questionné lui et qui pensait que ça n'a pas continué. Ça ne paraît rien, mais toute action, il faut commencer par une prise de conscience. Or, justement, cette prise de conscience montre-nous que chaque fois, davantage de secteurs, davantage de monde croit qu'il faut avancer. Donc, pour moi, ce sont des garanties. Ce sont des garanties. Et qu'on bagaille. Faut ne pas sous-estimer, il n'y a pas quoi analyser hein, ces derniers, disons, 6 mois qui sont passés dans Haïti. Moi, personnellement, jamais je n'ai vu en Haïti des manifestations avec autant de gens. Pour moi, c'est caractéristique. Et malgré que mon y a mouru, que mon y a continué à manifester, il avait continué à parler, ou carrément que nous parlons. Hein? Exactement. Hein? Moi-même, son bagage, que il faut tenir compte de cela. Et cette population la parle. Cette population a pris conscience et cette population a pris risqué d'être li chaque jour pour un bagaille que li kwè. Et naturellement, ce sont des formes différentes, par exemple, de gens du Val étaient tombés. Mais on y a, même au monde qui en Haïti, on a regardé la population, ça, des vagues qui ont déferlé, et on n'a pas interrogé sur ça. Et pour moi-même, penser qu'il n'y a rien, que la société ne bouge pas, pour moi-même, ce n'est pas faire une bonne lecture de la situation. Ouais. Oui, parce que moi, j'entends dans la radio, à travers la radio, que j'entends que, bon, moi aujourd'hui, avec demain, des manifestations, avec mon hebdo, c'est moi-même qui parle, que, bon, nous parlons de tel bagage, que nous pourrions, que ça s'est privé, arriver. Mm-hmm. Bon, et que dans l'année, ça, est-ce que vous pensez que le parti politique, et bon, qui l'a, est-ce que vous pensez que vous faites un travail? Et si vous faites un travail, qui travaille, qui vous fait vraiment vrai, pour accompagner la population? Parce que là, on a regardé et tout, Dr. Castor, si nous faisons un match arrière, et que tout le président que nous avons après 86, il n'y a pas toujours sorti dans le parti. Ouais. C'est toujours que, bon, et que, non, si on est capable de dire que, bon, ou bien que si nous utilisons le parti que pour aller dans l'élection, que ceux-ci sont chapeaux légales dans notre pays. Bon, qui sont capables de dire cela? Bon, la première chose que Cap dit, c'est qu'avant 86, en définitive, nous n'avons pas eu vraiment une tradition de parti politique. Hein? Il y a eu des partis depuis le 19e siècle, où il y a eu des partis libéraux, partis nationaux, ensuite dans les années 30, où il y a eu des partis communistes haïtiens, et sous Duvalier, il y a eu. Mais en fait, disons, la structuration des partis qui, en Amérique latine, fait à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, nous-mêmes, nous sommes capables de dire qu'en 86, nous commençons à faire. Naturellement, structuration ça a fait dans un milieu hostile au parti politique. Il faut le dire dès le départ. Et c'est-à-dire sans que nous-mêmes n'ayons jamais gagné parti politique, eh bien, on a adopté une tendance qui était internationale de rejet un peu des partis politiques, ce qui est une absurdité d'ailleurs. Et à ce moment-là, il y a eu la société civile.
et la glorification de la société civile. Ce qui est bien, mais on part, c'est comme si on vient des partis politiques là qui ont évolué, puis on vient des partis et société civile là qui est parallèle. Et on vient des tendances là, pendant tout, jusqu'à aujourd'hui, hein? Et bien que tendance encore, on s'est changé un peu. Mon cher, si tel baraille a fait, ce parti politique pas au pouvoir. Le pouvoir, ce n'est pas pour les partis politiques. Il faut faire appel à quelqu'un de la société civile. Soit disant que la société civile là, plus est impartiale, plus crédible. Et qu'est-ce qui est arrivé? La sève que ce parti politique a été gagné, eh bien, dans un calcul tout à fait humain, hein? Mon cher a préservé tête yo pour des circonstances à venir, donc il n'y a pas venu alimenter le parti politique. Ouais. Beaucoup d'éléments de la classe moyenne, etc. Donc il a préservé le futur. Yo. Et c'est ainsi que les partis politiques ont évolué dans un milieu assez, pas hostile, mais assez difficile. Assez difficile. On peut le dire. Et Kounia, nous voyons que c'est comme si ça commençait, même dit bien, commençait à changer. Et c'est et vis-à-vis des partis politiques. Et donc, ça est capable d'expliquer nous pourquoi, il faut le dire, nos partis sont faibles. Nos partis sont faibles. Et même lorsque gagne qui est capable plus fort, gagne qui gagne des moments plus forts, mais d'une façon générale, hein, il y a encore un grand travail à faire pour qu'il y ait cette conjonction de la société civile capable d'alimenter partis et partis capable d'alimenter des types d'organisations de masse, hein, et comme ça se fait partout ailleurs. Donc, et moi-même, moi en pile, mon a jeté roche sur partis politiques. Donc, il faut que nous arrivions à comprendre le rôle des partis politiques dans une société et comment les renforcer et les aider à avancer. Donc, il y a moins d'un frère Bitom n'a pas ajouté la même ligne avec professeur Castor. Premièrement, pour l'important pour nous comprendre faiblesse structurelle que parti politique yo pravin gagner Jean-Professeur Castor vient dit 86 c'est un moment qui presque ta censé constituer sociogenèse normalement dans toute histoire nous on va y 14 on va anomalie mais c'est en 96 ouais tant pour mot parti politique tant pour pral rentrer dans lexique politique paysan vraiment mais ça qui cause ça tout c'est que en même fois et professeur Castor l'installation Chris Fred l'aime d'a fait thèse doctorat moi était ban moins deux interviews et nous t'ai parlé de ça nous pas gagné c'est même pour déficit travail sur mémoire là oui c'est dire généralement pile monde connait Abdou sous Duvalier bagaille au té puis bon mais nous pas jamais analysé impact une dictature de longue durée, tant que dictature de Duval, il y a presque 29 ans. 29 ans, c'est presque 3 décennies. Ça constitue ouais. Un pile dans la vie, un peu. Donc, moi, pour que Duvalierisme, qui c'était un régime qui a quelques réflexes qui étaient orientés vers le totalitarisme, il y a travaillé en déstructuration systématique. Parti politique, le seul parti qui était accepté, c'est le parti de l'unité nationale, parti pouvoir. Là. Ouais mais l'autre parti yo pas capable de fonctionner. Or dans tout environnement sociopolitique ou après tout pays qui gagne plus stabilité yo c'est ça pays qui gagne un système bipartidiste et ça yo il est tant pour bipartidiste immédiat c'est tant pour un pays qui gagne deux partis qui fort et puis deux partis qui prédominent et puis un troisième parti qui la tour comprendre mais c'est pas les bon environnement côté bon grande volatilité on paquet parti politique et bien généralement expérience prouve le recherche montre que et bien la très difficile pour bon culture politique vraiment ça pas vraiment aidé à mettre camper un régime démocratique fait li avancer processus institutionnalisation politique mais pas de travail suffisamment qui fait réflexion qui fait qui pour montrer que faiblesse structurelle parti yo ta pral gagnan li tributaire c'est conséquence en quelque sorte en grande partie dictature de longue durée de duvalierisme ouais donc ça important pile pour nous insister sur li l'on a parlé de
processus transition politique à partir de 86 ans, faut nous voir tout culture politique du Valier Rislan, li pralé taillon et en espagnol permet à li pral pénétrer, li pral en quelque sorte jouer un grand rôle la faiblesse institutionnelle nous pral gagner sous un faiblesse acteur yo gagne pour structurer tête yo pour une bonne culture politique ou comprendre qui pour un environnement qui propice en culture politique pluraliste parce que plus exercice pluraliste politique là il pas jamais environnement dualiste pas jamais favorisé c'est ça c'est même développer ajouter à ça oui mais en tout cas me content que vous portez éclairage ça pour nous bon que et docteur Castor bonne heure c'est pas micro femme voyant que nous gagne en Haïti et que on femme que pile monde fier de lui ouais et moi même docteur Yapier Charles côté il continue à fier de travail que on fait que lui que liberté que de travail on fait dans société noire mais est-ce que capable dire nous qui implication femme haïtienne nous gagner et que dans affaire politique et qui genre que tout jeune aujourd'hui a yo continuer à faire tout ça que est capable pour réellement avoir une nouvelle Haïti, une nouvelle Haïti côté tout le monde capable de manger, une nouvelle Haïti côté tout le monde qui a droit à l'éducation, une nouvelle Haïti côté que réellement quelque soit monde là et que il est capable et capable un état vraiment de droit côté que son monde coupable il capable aller devant juge lui, s'il coupable tout que capable mettre dans la prison. Et s'il est coupable que lui doit subir peine normalement qui implication femme yo journée judiciaire et que dans travers ça monsieur on capable dire que nous rendons compte comment parole femme c'est pour tout mitant c'est pas une parole liée parce que en définitive nous rendons compte de rôle que fille avait joué dans la société actuellement et bon bagay sou moun gade bien hein dans les mouvements qui paraît après 86 ou bien avant un peu avant mais durant la transition que ce soit le mouvement paysan que ce soit le mouvement de femmes que ce soit les syndicats etc mon cher mouvement qu'on est qui plus kembe et qui gagne davantage de d'impact c'est mouvement femme non hein moi cher sur ce point là il faut rendre un hommage à toutes ces femmes là qui ont choisi justement de lutter et qui participaient à la vie sociale et politique pays moi cher aussi t'es parfaitement une série de camps hein et bien parce que nous joignons fio et par contre et surtout ouais une série de réflexions que femmes ont fait sur politique haïtienne, sur leurs conditions de vie de femmes. Or, ces réflexions-là mènent à considérer la vie de la société en général, la vie politique, la vie économique, la vie sociale, la vie culturelle aussi du pays. Donc, tout bagaille ça, ce sont des apports. Et nous rendons compte que ce soit dans le niveau de l'éducation informelle, hein, et à part le rôle des femmes ouais, formellement comme éducatrices bah, comme ça mais m'a parlé de ces mouvements de femmes dans l'éducation informelle ouais, à niveau et bien mon cher ils font un rôle ils ont un impact extraordinaire parce que ils travaillent un peu sur tout le territoire national et dans les mouvements c'est très des droits de l'homme par exemple ouais la participation des femmes. Le mouvement ou la protestation qu'a fait yo. Mon cher femme yo toujours présent. Et dans ce sens-là, je crois que et alors c'est ça qui bat espoir hein dans le pays. Il y a eu une avance parce que nous sommes dans une société très machiste. Enfin où, docteur Sepol t'a posé ça, très machiste, mais femme yo là et y arriver et poser en quelque sorte parce que kounya c'est très très difficile et gen bagay k'ap fèt par exemple n'a prendre compte de la situation des femmes bon ou capable dire des personnalités publiques ouais question de frapper fille une série de bagay kounya au moins
société a vienne pas trouver au normal. C'est pas que yo pas fait, non, yo fait. Mais de plus en plus de monde commencer trouver bagaille ça yo anormal. Et parce que nous connaît mentalité c'est pas un bagaille qui a évolué en un seul jour. Ouais. Donc par conséquent, travail qui fait là, eh bien c'est petit à petit que la porte résultat et la porte résultat. Et moi là ça ça moi dit que transition ça qui grand chapeau pour retirer pour femme yo pour yo continuer travail yo et un chapeau pour travail pour tout travail yo déjà réalisé. Donc c'est pas même pas connaître sous l'ajoutant avec me connaît que vous toujours soutenir que tout travail que fille a fait quoi. Peut-être c'est une raison qui fait que inviter docteur Castor venir là je vous dis donc. Mais est-ce que vous croyez que vous avez vraiment grand avancé qui fait vraiment vrai que non au niveau de militance FIO après 86 ouais. Que qui est-ce que vous sentez que vous vraiment impliqué à tous les niveaux et dans la société haïtienne là bon donc bien que nous ne pas des changements spontanés Jean Codil et Dili ouais vous croyez que vous vraiment sur une bonne voie dans ce sens là oui bon ça c'est une belle question liée parce que en fait en même fois nous toujours après Haïti tant que ça rhétorique qui toujours bas médiatique là pays qui est pauvre là hémisphère là etc mais au pas jamais ouais avance que Haïti gagne son paquet d'autres pays par exemple aux États-Unis côté nous hier là la constitution il va appliquer la peine de mort tandis que en Haïti la peine de mort il s'est dit l'on va regarder en termes de liberté ou ensemble de normativité gros équipe dans question normative Haïti fait pas son paquet de pays occidental premièrement. Deuxième bagage nous capable garder si nous garder l'histoire pays nous en comparer la États-Unis ou après que Eta Pascal Trouillot il était président et c'est lui qui organisait une plus belle élection qui t'a pas gagné 16 décembre 1990 garder toute bataille qu'a fait Elizabeth Ann Warren Hillary Clinton une bataille en président États-Unis c'est pour montrer que l'on n'a pas analysé pays yo pas penser ça yo les pays sous développés ou bien yo étiqueté yo ancien pays tiers monde c'est dit tout bagay qui bon yo c'est dans pays nord occident yo ye et puis tout l'autre bagay pas bon c'est dans pays sud yo c'est pas vrai. Troisième bagay moi pense au présence docteur Suzy Castor dans studio nous c'est un hommage pour montrer avance femme yo par exemple Chris Fed que l'a dirigé que pourquoi pas poser des questions sur Chris Fed centre de recherche et de formation économique et sociale pour le développement d'Haïti. L'édité une revue qui là encore son l'autre à facette là professeur dans travail professeur Castor son je me dit au Mexique il était édité ben dirigeant revue qui relé le Caraïbe la Caraïbe contemporaine le Caribe contemporain et puis qu'on est là il gon l'autre revue qui relé rencontre c'est meeting encuentro en espagnol meeting en anglais ça veut dire et moi même qui les rencontre régulièrement ou après généralement le professeur Castor l'en rencontre, li kon fait des tables rondes avec des féministes, par exemple quelqu'un qui mourit dans tremblement de terre, de regretter mémoire Myriam Merlet, ouais Magali c'est ça Magali. Donc tu kon fait des tables rondes avec des capables di Maris Laurence, nous Jocelyn Lassec pour débattre des problématiques rôle femme la décentralisation paysan, rôle femme dans renforcement capacité organisationnelle société civile, rôle femme en démocratie. Tout bagaille ça yo pour que Chris Fed à travers revue rencontre fait des numéros thématiques, des tables rondes aux questions ça yo. Tout ça yo c'est contribution Chris Fed, contribution professeur Suzy Castor et garder même la évolution mouvement féministe là parce que l'un de le féministe pas bon féministe unilatéral des courants différentes approches différentes perspectives en féministe il y a des féministes radicales il y a des féministes libérales etc mais qu'on y a là garder sofa solidarité femme haïtienne qui est-ce qu'a dirigé lui nous gagnons Sabine Lamour qui c'est un jeune docteur en sociologie ouais c'est dit vous sentez le même mouvement féministe en ouais bon développement non féministe académique et là féministe académique ça ou après tant coup des monde tant coup Daniel Magloire qui contribue en pile le développement féministe académique ça version ça mais qu'on y a là ouais bon certaines relève avec Sabine Lamour senti gain gon sorte de
et m'étais capable de dire relèvement cardio a fait. Mais mon temps pour Suzy Castor, travail que Chris fait sur décentralisation, sur collectivité territoriale, sur pour faire forme visibilité dans l'espace académique, dans l'espace intellectuel, moi je pense que c'est des bagages que nous devons vraiment apprécier, louer et célébrer. Bon, en tout cas, que bon, nous avons profité pour nous poser une question sur Chris Pedro et que nous félicitons à partir de ça, Dr. Saint-Paul, et ça dit sur Chris Pedro. Ouais, bon, est-ce que vous dit nous vraiment que bon, respect de qui Chris Fed. Ouais, qui est que ça fait combien de temps que nous existons, qui mission nous, la vie, qui priorité que nous gagnons jeunes aujourd'hui. Eh bien, Chris Fed fait en 86. C'est un groupe justement d'universitaires qui étaient sortis en exil, particulièrement au Mexique. Et nous avons gagné Marc Romulus du Canada. Et pratiquement, c'est Anselmo Rémy qui était sorti justement à Washington. Donc, pour qui ça? Et Chris Fed fait. Nous rendons compte que yon des problèmes, là nous arrivons en Haïti en 86, et avant dans toute réflexion, non? Que vraiment, et son bagage n'ont pas réfléchi à pile comment le duvalierisme a déstructuré ce pays et particulièrement la question d'éducation et de formation, hein? Parce que vraiment on est capable de dire dualiste l'est-il, et ceci il faut rendre hommage à tous ceux qui ont lutté pour justement aller contre des censeurs duvalier. Et nous rendons compte que un des apports que nous étions capables de faire, c'était ouais, comment, tenant compte de nos antécédents, nous étions capables de contribuer à la formation d'un public de plus en plus large. En fait, c'est comme ça que cette vie est sortie. C'est comme centre de recherche, parce que il y a un pile de bagages qu'on ne connaît pas, donc on n'est pas capable de travailler sur son réalité qu'on ne connaît pas, qu'on n'est pas capable de travailler sur lui. Et de formation, que nous parlons d'une grande importance, centre de recherche et de formation économique et sociale pour le développement. Ce qui était montré dans quel sens nous devrions aller. Et bien, depuis lors, nous sommes capables de dire que dans ce sens-là, Chris Fed a contribué à former beaucoup de cadres. Vraiment, naturellement, c'est un peu le tantôt. Mais moi-même, pas caché d'eau jusqu'à présent, très souvent, mal au côté. Et puis, mon qui dit, ah, mon cher, je t'ai formé la CRISFED. Et ce sont des cours que nous avons fait. Et même, nous avons même arrivé à faire un cours et de offrir un cours, pas informel, hein, un cours formel de formation de cadre sur justement la question de la décentralisation, qui a été reconnue par le ministère de l'éducation nationale, que nous avons fermé à partir du moment que Ovin Baikoussa à l'université. Donc ce n'était plus notre rôle de remplir un trou parce que l'université était venue remplir un rôle. Mais ceci a beaucoup servi et nous avons formé beaucoup de cadres, pas seulement au niveau informel, mais au niveau formel en la question de décentralisation. Et c'est dans ce sens-là, nous faisons formation, nous faisons recherche, nous avons près d'une trentaine d'études que nous avons publiées. Actuellement, nous sommes en train de préparer le dernier numéro de notre revue, qui est Rencontre, qui est vraiment une revue plurielle, ouverte. C'est une revue trimestrielle ou bien? Bon, on touche un point sensible. La revue paraît, l'El capable. Mais nous essayons au moins d'avoir deux revues par an. Et par an, bon. Et donc, mais qui à la fois une revue, et disons, moi, quoi ça, non, il dit que, disons, au niveau, hein, c'est un niveau qui est au niveau, mais à la fois, pas au niveau haut, fermé, sinon au niveau ouvert au public. Hein. Et nous gagnons des sections, justement, il y a une table ronde qui prend toujours un thème d'actualité. Et justement, ces jours-ci, nous allons réunir toutes les tables rondes
pour nous faire une publication parce que ça pourrait arranger normalement, oui, mais avec les événements qui ont eu lieu. Il y a toujours un point d'interrogation. Le point d'interrogation, je ne suis pas prêt pour la fin de l'année. Bon, mais si tu as un monde dans la diaspora qui t'a aimé, qui a revu ça, qui j'ai capable de parce que le docteur Saint-Paul parle de lui. Là, ça veut dire que le docteur Saint-Paul, ce n'est pas un électeur fidèle. Il a revu ça depuis que le parlait. Eh bien, il faudrait un peu demander et la revue, ou bien, en fait, ma mail, Christelle, avec mail et moi personnellement. Eh bien, ok. Mon cher, on voit un esprit très pratique. C'est très bien. Oui, parce que t'es bien important pour nous. C'est très bien. Donc, eh bien, c'est ça. Et nous continuons jusqu'à présent. Et ensuite, nous avions vu. Au début, des conceptions que nous n'avons pas gagné. C'est une section d'appui, justement, à ce que nous appelons à la dynamique communautaire. Parce que faire les formations, c'est bien. Hein? C'est bien. Mais très souvent aussi, nous avons senti qu'il nous fallait accompagner les gens. Et c'est ainsi que nous avons introduit, peut-être depuis une quinzaine d'années, la section d'appui à la dynamique et communautaire. Et donc nous allions justement à la question de formation, à la question de publication et de cet appui à la formation communautaire. Bon, qui fait que, et que vous parlez de revue, hein, bon, comme moi, je dis que quand tout le monde dans la diaspora, et que moi, je suis très content que vous lisez les choses. Avec plaisir. Et supporter les choses. Même qu'on dit que nous avons plusieurs numéros, au moins 18 numéros qui sont sur Internet. Qui sont sur Internet. Ils sont capables d'aller dans Crespet ou bien dans Rencontre, ils ont joué une revue, ils sont capables de consulter. Ils sont capables de consulter. Bon, une question que je ne vais pas poser au lit, bon, pour sortir d'Haïti, tout le monde voit chaque jour la situation dégradée. Mais le grand mot que je dis, c'est plus de transition qu'il y a parlé. Bon, je dis que bon monde que nous gagnons dans notre pays, ce n'est pas mes monde qui est plus impopulaire, ce n'est pas mes monde que nous passons. Ouais. Mais que selon vous-même, ça qui explique ça. Hein? Deuxièmement, si on transition, qui j'ai que pour le faire, que pour ça, vraiment, tu as vraiment dernière transition que nous gagnons après 86 pour vraiment voir que le pays a démarré. Moi, les questions qui sont qui m'ont des réflexions, mais et que le docteur Castor ne va pas poser la question ça. Parce que quand tout le monde vraiment vrai que là où il est nous, que c'est ça qu'on a parlé nous aujourd'hui, jeudi, à moins de transition. Et est-ce que son transition pour transition, est-ce que vraiment vrai, si et que transition, que tout le monde croit que a fini par mon transition, mais qui j'en que vraiment que pour transition, ça a vraiment dans mon dernier transition pour nous-mêmes, dans cette situation-là. Oui, j'ai une question posée maintenant, pas quoi que, ou haïtien. Que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur qui va poser ça. Et qui constitue pour lui un grand sujet de réflexion. Parce que tant qu'on voit, et jamais, enfin moi penser, hein, on peut le dire, un gouvernement ne s'est trouvé dans une situation pareille. Un gouvernement qui ne contrôle pas le pays. Un gouvernement qui ne gouverne pas. Hein, et un gouvernement qui est rejeté. Lorsqu'on dit tout, bah quoi que ce soit, pas toute la population, excepté un petit bagaille très très huite, tant qu'on nous dit en Haïti. Donc, par conséquent, et qui ça a demandé? Il a demandé départ. Mais derrière la parole de départ, il y a toutes des revendications, et c'est pas qu'on y a, non, les fêtes. Ce sont depuis du Valier, là, oui, pendant toute transition, il y a traversé, oui, ou même tout à l'heure, alors, tu as énuméré, ouais, depuis question de santé, d'éducation, depuis question de manger, depuis question d'institutionnalisation. C'est-à-dire que derrière le départ de Moïse, on joue l'aspiration de tout un peuple qui a besoin de vivre dans un pays. Les pays vraiment. Et par ailleurs, on rend compte d'une série de groupes
qui justement participait grosso modo hein, et de façon très informe et de façon très très disparate hein, à ce désir-là que nous avons. Donc, lorsqu'on dit départ de Moïse, ça supposait tout ça. C'est très légitime. Vu situation pays, parce que situation pays n'a traversé un moment, jamais la désinstitutionnalisation n'a été tellement grande, jamais économiquement, nous n'avons pas une situation qui a dégradé, mais rapidement, jamais l'appauvrissement de la population n'a été aussi grand, jamais il y a eu tellement de citoyens à se sentir coincés et ne pouvant pas faire face à la situation. Donc, par conséquent, gagner une situation de dégradation de situation actuelle là, qui vraiment, moi, pensais que qui décrit nous une crise terrible que nous vivons là. En crise sans précédent. Exactement. crise là, vraiment, vraiment fort. Il manifeste dans tout en Haïti. Et là pour un problème ou pour on commence à lever les et pour 15-20 problèmes sociaux, c'est-à-dire que tout est lié et dans ce sens-là crise là vraiment mérité que les résoudre parce que sans ça ne paraît côté nous pour aller. Or c'est là le grand hic. Grand gouvernement faible, il y a une population debout et gouvernement continue triste. Donc, voici l'équation actuelle qui gagne en Haïti. Or, naturellement, il y a la population du pays, il y a la population internationale. Et là, vin gagne un grand hic. Jovenel gagne une force internationale. 18 internes qui a soutenu le puissant. Et pas parce que le pitié a fini pas fort. Et d'autre part, même l'international, qui au début était vraiment adhéré au gouvernement, qui était appuyé au gouvernement, et qui au fur et à mesure, vous comprenez, s'interroge tout au moins, et gagner deux gouvernements particulièrement qui ont soutenu Jovenel, c'est le gouvernement brésilien et il faut le dire, en fait, nous t'avons dit le gouvernement, parce que le Brésil le soutient, c'est vrai, mais ça qui plus compte, c'est le gouvernement américain. Bien que ces jours-ci, on sentit que c'est comme si l'Américain avait interrogé tête. Nous n'avons pas soutenu le nom, mais il a interrogé tête. Donc, c'est dans ce sens-là que move qui fait dans l'opposition a essayé, réuni, moi j'ai bien essayé, réuni toute force et pas ça. Yo parce que yo en pile, mais yo très efforce et quelquefois même divergente. Et ça nous ramène encore à l'histoire de Berthier. Ou de en pile force, des forces divergentes. Mon cher, yo rend yo compte que mon cher éparpillé comme ça, yo pas privé loin. Donc a essayé faire un mouvement et c'est mouvement ça que nous une semaine dernière là qui a essayé faire pour voir comment yo capable avancer. Donc, c'est dans ce sens-là, il y a un espoir à l'horizon, il y a un problème qu'il faut résoudre, et le problème est là, et c'est pour un petit passé, mais qu'à résoudre, il a continué, c'est-à-dire, s'il ne pas résoudre, il a continué avec lui toujours, et il a pu voir comment, justement, ce pas qui a été fait la semaine dernière. À Marriott. À l'hôtel Marriott. Oh, ouais. Eh bien, il n'est pas capable. Et terminé, il va capable déboucher, ouvrir, souillon, et disons, et pas d'une solution, non, mais à un pas qui peut faire avancer dans la solution. Donc, c'est pas un sucre, on vient pas ajouter quand même quelque chose. Moi-même, c'est Dr. Castor qui est gros invité, il est capable de vivre en Haïti, donc moi-même, nous avons fait une émission sur. Crise politique, là, je pense que c'est un autre qui a invité pour nous parler de crise, même d'après ce que
Bon, qui avec le docteur Castor, que bon, pas qu'on est que nous réellement contents pour nous gagner, que je dis, bon, nous sommes capables de dire que pour nous-mêmes, que nous sommes personnages, que nous avons un paquet pour nous, mais nous réellement contents. Mais est-ce que vraiment, sous ta bon mot, ou ta petite diaspora, qu'est-ce que tu as dit, je dis, et si nous-mêmes, tout, que nous t'as, si que réellement, que diaspora, ça, ou t'as voulu continuer à communiquer avec eux. Est-ce que la réalité de solidarité n'est pas d'avoir un podium parce que la technologie a permis? Non, vous pouvez en forme commencer pour nous dire la solidarité. Pourquoi c'est un honneur pour moi pour faire tribune ça, que j'apprécie beaucoup parce que je connais l'impact de la solidarité et public non, et le thème nous traiter, etc. Donc avec plaisir. Hein? Que vous apportez, que vous participez avec moi. Je serai toujours à votre disposition. Et moi, ça me t'a dit la diaspora. Moi, hier, j'ai assisté à un fort du livre, à un vente du livre. Mélimélo Restaurant. Qui est organisé par Vertuili Vincent, Hervé Fanini Lemoine. Merci. Et vraiment, et bien que moi, je connais le travail à la diaspora, mais le fait de voir des gens ici à l'œuvre et travailler en conférence de côté que justement docteur et Saint-Paul étaient de deux autres panélistes docteur François-Antoine Lecomte et Hervé Fanini Lemoine et ensuite il y a eu la présentation des livres et une vente signature. Moi j'ai trouvé ça vraiment admirable, hein? C'est-à-dire ce contact là avec Haïti, ce contact des Haïtiens entre eux ici et ce contact des Haïtiens avec le pays, mon cher, je trouve ça extraordinaire. Et moi, je suis persuadé que justement, et il faut que la diaspora continue à garder contact ça, garder justement la connaissance d'Haïti, hein, et chercher à intéresser l'Haïti, sentir Haïti comme pays, parce que nous voulons, que nous ne voulons pas rien d'eux, hein, c'est ouais. Haïti. Et participer d'une façon ou d'une autre, gens nous capables, à ce grand mouvement qui a privé à la délivrance du pays et qui a fait nous rentrer dans l'autre moment de notre évolution. Et avec le docteur Castor, que vraiment que nous avons un gros merci, mais on est que si docteur Saint-Paul, bon mot quand même, que. Et bien, quand même, on fait partie du panel là. Bon, moi, ça me dit, mais c'est ça, nous t'ai dit informellement, nous avons commencé. Moi, personnellement, remercier Dr. Castor, parce que généralement, en espagnol, nous gagnons une expression, nous dit, là, on a baka sagrada. Baka sagrada, ça veut dire, c'est un monde, c'est un gros bagaille, mon nom, il y a un domaine quelconque. Et bien, quand pile baka sagrada, nous devons avoir un sorti en Haïti qui gagne droit. Qui prennent l'autre activité que tu ne dois pas accepter, by Radio Télé Solidarité Interview, ça, je voulais dire merci. Moi, je voulais dire merci tout, même Border Top, pour l'intérêt de toujours gagner, parce que chaque fois qu'on est dans le monde valable, on toujours voulait pour sélectionner, pour être capable de dire audience Télé Solidarité. Moun de capable di ki ka vraiment contribuer en bagay parce que émission c'est pas émission ou menen moun ki pa gagne rien pour partager, mais c'est moun les ou moun prend sans li garder vidéo sur YouTube, li garder li lan à travers cable vision etc., yo apprendre yon bagay. Et donc dans sens ça, Radio Télé Solidarité comme fait partie de ça les médias, la presse, donc bon relation corrélation entre world media ou capable jouer et la construction opinion publique de Radio Solidarité li a joué rôle. Donc moi voulais encore une fois remercier professeur Suzy Castor pour être accepté invitation ça et tout fidèle de capable dit téléspectateur Radio Télé Solidarité. C'est un plaisir encore pour nous te rentrer la caillou. Donc merci en plus. Et que m'a dit encore une fois docteur Castor que Namdo merci et m'a dit un bon séjour aux États-Unis parce que États-Unis la caillou que bon docteur Saint-Paul que nous pas gain mot pour nous remercier vous parce que vraiment que bien docteur Castor je dis à mon que pas facile même là que nous gain concorde que le capable de visiter pour la venir mais que vous faites venir c'est ça prouver que le docteur va ensemble on pas quelque bagarre qui possible
Docteur Castor content, que nous content tout. Et vraiment que Jacques nous dit, nous, que nous plus que content nous-mêmes dans la radio de solidarité. Pour nous te recevoir Makou ça, pour pas que nous, bien que nous gagnions deux Makou, mais docteur, Sepol dit que bon, je dis à que bon, c'est docteur Castor qui pique au Makou. Mais nous connaissons que nous gagnions deux Makou avec nous. Qui veut que nous nous merci en pile avec nous, c'est de bonnes chances pour présentation en bien, pour faire dans le collège. Monsieur, et bon, moi merci Eddy, parce que c'est lui-même qui m'a venu là, et moi merci Yéo, parce que Frère Buto leur invité moi, offre moi vraiment au public, hein, et moi avec qui chaleur, hein, tout recevoir, et on dit en pile moi, mais heureusement que je ne suis pas rougi. Donc, moi merci à vous, et je profite tout, et on vous pour me saluer, Monseigneur. Sasarik, parce que c'est une de grands mapou que nous avons et qui a dédié toute sa vie justement à la cause haïtienne. Donc là, je devrais rendre hommage et un grand salut. Et vous-même, vraiment, je vous remercie en pile de ce que vous recevez moi avec auditoire dans l'émission. Bon, en tout cas, merci à vous. Qui fait encore une fois, c'était frère nous, amis nous. Frère plutôt bon de pop, gens que nous capables voir qui font radio à faire, chaque jour afficher la crème de la crème, parce que la crème de la crème qui peuvent parler dans la station, qui peuvent parler avec nous, et le docteur Castor porter en pile d'informations pour nous, que pour nous qui les décourager, le docteur Castor dit nous non pour nous décourager, il y a espoir. Et le docteur Saint-Paul nous dit même pas au lieu dans toute émission de tout, que toujours encourager nous, qui fait que nous sommes réellement contents que c'est sûr que. Après l'entrevue ça que nous avons avec Dr Castor là, que nous connaissons que nous avons une présentation dans le Brooklyn Collège et lundi 18 novembre là, à 7h du soir. 6h. 6h du soir, qui veut que nous connaissons tout le monde qui a sorti un peu partout pour présentation ça ou bien pour conférence ça sur bataille de Vertière. Et pour le monde qui n'a pas bien chance aller autour, c'est ce que nous-mêmes que nous avons là que pour un reportage. Et pour présentation ça que Dr Castor vient pour faire dans le collège et que 18 novembre là à 6h du soir. Encore une fois, c'était frère nous, Zami nous, frère Vito Bonator de la radio Télé Solidarité. Là vous êtes tombé, quoi pour chanter, pour nous célébrer. Vous croyez sous tête, en bas, coquette, la chaleur, pas jaune. La pédé sans la vie, nous connaissons, nous personne pas manger. Comme Haïti, merci, merci, comme Haïti. Merci, merci, bon Haïti, merci. C'est où pas la vie? C'est où pas la vie? Bon Haïti, merci, merci, bon Haïti, merci, merci, bon Haïti, merci. Nous comprenons aller. Nous comprenons aller. Haïti, nous y avons changé pour casser 8 têtes dans par jour. Faut le faire supplémenter pour faire moucher, ça c'est trop pas d'or. Sa belle vie face, Haïti très vite, c'est des factories. Bon Haïti, merci, merci. Bon Haïti, merci, merci. Bon Haïti, merci. C'est où pas la vie? C'est où pas la vie? Bon Haïti, merci, merci. Bon Haïti, merci, merci. Bon Haïti, merci. Nous comprenons aller. Nous comprenons aller. Comme un côté petit, les mères sans papa, ils ont coupé élevé. Travail ou pas vite, la timonie arrivée, ils ont pas qu'un pays. Comme un vrai mais petit, les démons sont nous libérés à Haïti. Bon Haïti, merci, merci. Bon Haïti, merci, merci. Bon Haïti, merci. C'est où pas la vie? C'est où pas la vie? Bon Haïti. Merci, 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 merci
nous comprendre. Allez.